Voici mon histoire. Je fais partie de l'un des secteurs industriels les plus polluants au monde. Selon l'analyse de Worldwide Fund, environ 1,7 milliard de tonnes d'émissions de CO2 sont produites chaque année par l'industrie textile. C'est triste d'admettre que je contribue malgré moi à cette réalité. Cependant, grâce à la galerie Artex, une galerie virtuelle montréalaise engagée, j'ai la chance de revivre, d'être récupéré et de réduire mon impact environnemental. Environ 54% de mes admirateurs, hommes, femmes et autres, âgés de la vingtaine à la trentaine, sont prêts à payer jusqu'à 300$ et plus pour m'exposer sur leur mur, embellir leur espace et décorer leur vie. Cela me rend fier et heureux d'être en leur compagnie. Je suis reconnaissant envers Artex pour leur engagement envers la réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile et pour leur volonté de donner une nouvelle vie à des tissus comme moi. Je suis fier de pouvoir être valorisé dans leur galerie et de contribuer à la création d'un monde plus responsable et durable. Ayant pour mission de sensibiliser à l'impact du textile sur l'environnement, Artex récupère des textiles locaux comme moi et des vêtements en fin de vie pour nous donner une nouvelle valeur artistique. En collaboration avec des artistes locaux, je suis fier de faire partie de la création de ces œuvres d'art car je suis récupéré gratuitement, recyclé et manipulé avec attention. Je me sens valorisé parce que je contribue ainsi à la réduction des conséquences néfastes de la surconsommation que les humains ont sur mes collègues et moi, malgré nous dans notre écosystème. Pour ma première apparition publique, Artex me promeut ainsi que mes collègues à travers un vernissage. Artex utilise différents types de médias pour me mettre en valeur, y compris les réseaux sociaux et les relations publiques. Les médias écrits, numériques, les blogueurs et les influenceurs sont invités à parler de moi et à raconter mon histoire comme une nouvelle célébrité régionale et un espoir pour l'avenir de la planète. Grâce à cette stratégie, je bénéficie d'une couverture médiatique dans la presse, à la radio et à la télévision, ce qui me permet d'être admiré gratuitement par les spectateurs. Pour que je sois encore plus connu, Artex m'affiche également, ainsi que mes collègues, dans des endroits très fréquentés du centre-ville pour que les passants portent une attention particulière à moi. Grâce à ces affiches publicitaires, telles que la publicité sauvage, on me valorise davantage, on sensibilise les spectateurs et on contribue à ma notoriété, ce qui, par contre, nécessite des dépenses. La galerie Artex est ainsi confrontée à une baisse de ses chiffres d'affaires de 3 000$, principalement dû au fait que je coûte cher à la production et à la transformation. Après une analyse approfondie de leur situation financière, des ventes et des marges par rapport au coût d'achat, l'entreprise mise sur une stratégie de croissance pour les 2 prochaines années. L'objectif de Artex est de recycler davantage de tissus comme moi et de leur donner une nouvelle chance d'être valorisés comme ils le font avec moi, afin d'accroître leur volume de vente de 50% pour leur 2e année sur le marché et de 70% pour la 3e année. Cela permettra à de nombreux tissus de retrouver une nouvelle maison où ils feront bonheur à l'artiste qui les embellit. Avec cette hausse des ventes, Artex prévoit de sauver plus de tissus comme moi et étendre leur stratégie de distribution jusqu'à Toronto, où de nombreux autres tissus ont besoin d'aide. Dans les années à venir, je souhaite voyager de ville en ville pour partager mon histoire avec le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous invite à me suivre dans cette aventure. Hélas, il reste malheureusement d'autres textiles comme moi qui n'ont pas eu ma chance. Des millions de tonnes de tissus comme moi sont jetés et perdus dans la nature. Rien qu'ici au Québec, savais-tu que plus de 90 000 tonnes de tissus sont jetées chaque année? Recycle, valorise et honore les tissus comme moi. Ce sont les 3 mots que tu dois retenir pour contribuer à l'avancement de nouvelles solutions durables pour l'avenir d'une planète saine.